La parole est à notre collègue Jérôme Bignon pour le groupe Les Indépendants République et Territoires. Vous avez la parole pour 2 minutes. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur Nicolas Hulot, ministre d'État chargé de la transition écologique et solidaire. Monsieur le ministre d'État, en 2002, à Johannesburg, la maison brûlait. En 2015, vous aviez dit « Elle brûle, mais on continue à alimenter le feu ». Il y a quelques jours, le CNRS et le Muséum ont déposé un rapport extrêmement alarmant sur la disparition des oiseaux et des insectes en France. Remettant une couche, si j'ose dire, l'IPBES, après sa 6e session à Medellín, en Colombie, nous dit que nous sommes en train d'assister à un effondrement de la biodiversité sans précédent depuis la disparition des dinosaures. J'étais à Azraq, en Jordanie, il y a peu de temps, dans les marais désignés au titre de Ramsar, et ce marais ne fait plus que 10% de sa surface. J'étais avec notre collègue Ronan Dantec dans les marais d'Irak encore hier matin, et nous avons assisté à des scènes très tristes dans ces marais multimillénaires, aux sources de la civilisation sumérienne qui, de la Mésopotamie. Que faire ? Nous attendons des signes, Monsieur le ministre, parce que vous avez dit à nos collègues députés la semaine dernière que vous ne pouvez pas faire tout seul. Et ça, j'en conviens volontiers. Mais vous avez dit que tout le monde s'en fiche, et je pense que ça n'est plus exact. Ça l'a été, mais aujourd'hui, dans la société, et nous devons y contribuer tous, faisons en sorte que les choses changent sur ces sujets. Ne plus entendre les oiseaux chanter dans nos chemins creux des campagnes, c'est insupportable pour nos citoyens. Laisser à nos enfants et à nos petits-enfants une campagne sans oiseaux, sans insectes, sans vie de la nature, ça n'est pas possible. Parce que derrière, c'est notre vie à nous qui est en cause et celle de nos descendants. Il faut réagir d'urgence. Pour vous répondre, la parole est au ministre d'État. Ministre de la Transition écologique, Nicolas Hulot. Monsieur le ministre d'État. Merci, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les Sénateurs, Monsieur le Sénateur Bignon. Oui, l'érosion de la biodiversité, c'est un poison lent dans les veines de l'humanité. Et je vous l'accorde, malgré les différents rapports qui s'accumulent, la réponse à cet enjeu universel n'est pas à la hauteur. Et nous avons parfois la tentation de céder à une forme de fatalisme. Et actons que si nous continuons dans ce sens, vos enfants, vos petits-enfants, que sais-je, n'auront plus aucune chance de voir des grands animaux en Afrique à l'état sauvage. Et si nous n'avons pas réussi à sauver, par exemple, les grands singes, qu'en sera-t-il de la biodiversité ordinaire qui nous est tout aussi indispensable pour l'avenir de l'humanité? Parce que la biodiversité, c'est un patrimoine, c'est notre héritage, mais c'est surtout notre livret d'épargne pour l'avenir. Et vous le savez, parce que vous avez contribué à l'élaboration, vous en avez été rapporteur, de la loi sur la reconquête de la biodiversité, mais jusqu'à présent, nous ne sommes pas à la hauteur. J'ai décidé, mais ça ne réglera pas tout, j'entends bien, mais pour montrer que nous ne sommes pas résignés, d'annoncer la réintroduction de 2 ours dans les Pyrénées pour essayer de sauver définitivement la source originelle des Pyrénées, parce que si nous voulons avoir du crédit dans les instances internationales, demander aux Asiatiques et aux Africains de cohabiter avec la faune sauvage, nous devons prendre notre part de responsabilité. Mais pour que la biodiversité ne se résume pas à quelques espèces symboliques, oui, comme l'avait dit René Dubos, nous devons penser globalement et agir localement. Nous devons cesser. La nature n'a pas besoin qu'on l'aime. Elle a besoin qu'on cesse de l'empoisonner et qu'on cesse de la détruire. Je soutiens évidemment dans ce sens la poursuite et la création des agences régionales de la biodiversité, parce que la biodiversité, elle doit se faire au quotidien, que la protection de nos patrimoines naturels, elle est au cœur des politiques publiques et territoriales. Et c'est aussi la raison pour laquelle je présenterai dans un temps très court un nouveau plan pour lutter contre l'érosion de la biodiversité. Mais comme je l'ai dit à l'Assemblée, je n'y arriverai pas si chacun à son niveau ne prend pas sa part de responsabilité. Je vous remercie.